Ici le Loup Tactique. Alors on fait une vidéo spéciale pour les Indigos, Starseeds, etc. Mais aussi pour tous ceux intéressés par le paranormal, par la vie après la mort. Parce que là, on communique avec à la fois les gardiens de lieux sacrés et avec ce que tout le monde appelle sur votre terre des fantômes. Alors, vous allez, si vous voulez avoir le début, regarder les vidéos Message pour les Indigos, volume 1, volume 2. On va vous mettre les liens des vidéos ici. Elles sont importantes pour tous les Indigos particulièrement. Et là, on va vous montrer un peu comment on opère quand on va dans des endroits spéciaux comme celui-ci, qui est un ancien château cathare, qui est assez bien conservé. On va vous montrer comment on fait quand on vient dedans. Il est préférable d'y aller quand il n'y a aucun humain, tout seul, et comme on fait ce soir, même la nuit. Bon, investigation des indigos dans un château cathare, super lieu en haute énergie, avec un gardien qui s'appelle Guilhem, avec qui on a discuté, et puis on a fait quelques expériences dans la tour de la Dame Blanche, où nous avons quelques résultats sur des photos, et on va vous les montrer maintenant. Voilà. Après, vous verrez un peu, on va mettre une musique un peu mystico, et vous allez voir donc les expériences qu'on a eues là. Avec la Dame Blanche, on verra plus tard probablement qui elle est, quel est son nom, est-ce que c'était une dame cathare, de la noblesse qui était ici au château, on ne sait pas, hein. Pour l'instant on verra plus tard. Alors les investigations, on va vous expliquer plus tard un peu, disons comment on opère, hein, etc. En faisant ça au niveau spirituel, hein, parce qu'on a eu une expérience ici où... quelque chose a agrippé un des deux indigos dans un petit couloir. Et habituellement, ce sont des êtres, des humains, hein, qui ont été tués au Moyen-Âge, hein, pendant la guerre contre le Cathare, et qui demandent de l'aide pour monter à une dimension supérieure. Hein, quand on est agrippé comme ça par quelqu'un qui se trouve bloqué, si vous voulez, entre les dimensions. Hein, parce que temps n'existe pas entre les dimensions, hein. Même au niveau normal, ça n'existe pas. Eh bien, donc l'indigo a dit à cet être, la lumière s'intensifie, il faut partir, il faut monter. C'est ça qu'on fait ici. Thank you.
Ah, ici Gandalf avec la reine des elfes. Non, non, non. C'est l'équipe, c'est un team de Indigo, hein, des gens des étoiles qui sont venus. Vous savez pas ce que c'est? Ben, regardez les vidéos précédentes, Indigo. Alors, on a fait pas mal de choses dans le château mystique Cathar. Ouais, On a petite été accueillis. exploration nocturne. Ouais, on a été accueillis par donc le gardien, Guilhem, qui est un parfait cathare qui garde là. On a essayé de rencontrer la Dame Blanche. On a eu pas mal de photos bizarres que vous venez de voir avant le débriefing. On vous a mis toutes les photos là. Regardez un peu toutes les choses bizarres qu'il y a dedans. Éventuellement, vous nous dites hein, si vous voyez des formes, des choses dedans qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas fait attention, nous encore. Regardez. Bon, ben voilà. L'indigo là, Céleste, tu dis quelque chose du débriefing là? En prime, on a vu un petit ovni peut-être sur la photo. Ouais, oui, on a un On peut petit peut-être, on peut ovni voir des ovnis d'ici. depuis la cour du château. Ouais. Ok. Autrement, là, tout de suite avant le débriefing, quelqu'un t'a mis la main sur l'épaule. Oui. Voilà. Et puis, il y a eu l'affaire d'un autre du team là, qui a été agrippé donc par un soldat qui est dû mourir ici dans le château. Et celui à qui c'est arrivé là, a eu, au moment où il a été agrippé, a eu une douleur près du cœur. Donc on suppose que c'est un soldat à l'époque de la guerre contre les Cathares qui a reçu une flèche ici et dans des combats dehors. Hein, et ils ont dû l'amener au château, il a dû mourir ici. Alors il était un peu coincé entre les dimensions ici, hein, comme ça arrive. On vous fera une vidéo spéciale hein, sur justement les soldats qui restent coincés entre la dimension. Comme le temps n'existe pas, pour eux, ils sont toujours là. Alors, donc, l'autre indigo de notre team, il a dit à ce soldat qu'il y avait un changement en ce moment de lumière pour la Terre et qu'il fallait qu'il s'en aille. Alors, après ça, en faisant d'autres prises de vue, pas moi, mais deux du team ont vu une petite forme noire qui passait à toute vitesse. Alors, on pense que c'est ce soldat qui est en train de tourner dans le château. Parce qu'il est sur le point de s'en aller, quoi, de remonter vers la lumière. Donc il est possible que la prochaine fois qu'on vienne ici, eh ben, il ne sera plus là, quoi. Il sera parti, il est remonté dans la lumière. Ben voilà ce qu'on peut dire sur ce château mystique, on y reviendra. Et puis on va essayer de vous en faire d'autres. Allez, les indigos, Ouais, et la partagez petite au max. lumière bleue des indigos. Oui, on est dans la lumière bleue des indigos, vous voyez bien qu'on est dans le bleu. Hein. Alors regardez un peu ce bleu magique, hein. Ouais, ça fait très galactique. C'est un des rares châteaux qui est éclairé avec du bleu. Hein. C'est vrai. Il éclaire en bleu ici, le bleu indigo, des indigos. C'est Et le bleu ça. de la Star Command aussi, pour ceux C'est qui vrai. savent ce que c'est. Allez, on en fera d'autres. Et puis partagez cette vidéo, allez-y, hein, là où vous pouvez. Hein. Vous êtes des indigos, vous êtes doués. Allez, à plus, on en fera d'autres. Prochaine vidéo au château du Graal, qui est là. Le voilà. Prochaine vidéo, Château du Graal. Voyez-vous ici, chez Loba de Sceaux, grande guerrière cathare. Ici, c'est le Château du Graal. Il est passé, il est revenu là, mais était en sûreté. À la chute de Monségur, quatre parfaits cathares sont venus amener le Graal ici, avec les écrits secret de Jean que les cathares utilisaient et qui n'ont pas été évidemment reconnus par l'église catalo-catalico-satanico, appelez-la comme vous voulez. Alors, super château du Graal, et on viendra faire la connaissance de Loba de Sceaux, grande guerrière cathare, ici. Au prochain épisode.